Bonjour mes enfants, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est mercredi 1, le mois c'est avril, l'année 2020. Aujourd'hui c'est mercredi 1 avril 2020. C'est la date d'aujourd'hui. C'est la date d'aujourd'hui. Le sujet c'est pré-mathématiques. Unité 23. Alors, suivez avec moi mes élèves. D'abord, vous prenez les livres de mathématiques, page 63, à l'aide de vos parents, bien sûr. D'accord? Premier exercice. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4. Je répète. 1, 2, 3, 4. Ici, on a 4 véhicules. Alors, on va écrire 4. Plus. Ici, combien? 1. Vous voyez ici? 1. Alors on va écrire ici 1. Égal, compte avec moi, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on va écrire 5. Pardon? Si on va écrire 5. D'accord? Alors, je répète, 4 alors, 5 ici, pardon. Je répète 5. Alors, maintenant, regardez. 4, ici 4 véhicules. 1, 2, 3, 4. On va écrire ici 4. Plus, ici 1. Combien ici de véhicules? 1. On écrit 1. Alors 4 plus 1 égale 5. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. On va écrire ici 5. Alors, 4 plus 1 égale 5. 4 plus 1 égale 5. La même chose ici. Ici, combien? 1. On va écrire 1. Plus. Combien ici? 1, 2, 3, 4. On va écrire ici 4. Égal, on va compter ici, 1, 2, 3, 4, pardon, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on va écrire 5. Deuxième exercice, la même chose. Écrivez le nombre de véhicules, écrit les équations. Alors on va compter. Combien ici de véhicules? 1, 2, 3. On va écrire ici 3. Plus. Ici combien? 1, 2. On va écrire ici 2.
égale, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. On va écrire ici 5. La même chose, 1, 2, on va écrire 2, plus 3, 1, 2, 3, égale, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. On va écrire ici 5. Alors, regardez bien. 4 plus 1 égale 5. Regardez, 4 plus 1 égale 5. Ici, 1 plus 4 égale 5. C'est la même chose. Ici, 3 plus 2 égale 5. 3 plus 2 égale 5. Ici, 2 plus 3 égale 5. Alors, 4 plus 1 ou bien 1 plus 4, 3 plus 2 ou bien 2 plus 3 égale 5. Alors, ici, on va relier par une flèche le chiffre 5 qui ont pour somme 5. D'accord? Alors, 4 plus 1. 4 plus 1, combien? Alors 4 plus 1 égale 5. Alors ici on va mettre une flèche jusqu'à le chiffre 5. 2 plus 2. 2 plus 2. Bien sûr, 2 plus 2 égale 4. Alors on ne va pas mettre une flèche. Troisième. 3 plus 2, 3 plus 2 égale, alors 3 plus 2, comme le modèle, 3 plus 2 égale 5. Alors on va mettre une flèche jusqu'à le chiffre 5. Deuxième exercice, regardez ici, complète les équations. Ici, en rouge, on a deux cercles en rouge. Alors 2, 1, 2. 2. Alors, on va compter les cercles en vert, les petits cercles en vert. 1, 2, 3. On va écrire ici 3. Alors, 2 plus 3, bien sûr, égale 5. Ici, en rouge, il y a seulement un cercle en rouge. Alors, ici, on va écrire 1. En vert, on va compter combien y a-t-il de cercles. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4. On va écrire ici 4. Alors, regardez bien. 1 plus 4 égale 5. 1 plus 4 égale 5. Alors, vous écrivez dans les livres de mathématiques en même temps que moi, mes élèves, d'accord? Alors, ici en rouge, combien ici? On a seulement deux cercles en rouge. On va écrire 2 ici. Ici, les cercles en vert, il y en a 3. 1, 2, 3. Ici, 3. 2 plus 3 égale 5. Alors, 2 plus 3 égale 5. 1 plus 4 égale 5, 2 plus 3 égale 5. Alors, vous écrivez dans les livres de mathématiques la réponse de chaque exercice et vous entraînez sur les ardoises à l'aide de vos parents, bien sûr. Et merci pour votre attention, mes chers élèves, et à demain, Inch'Allah.